J'ai fait le championnat pro avec Boldoni Bati, qui est mon cheval de tête actuellement. Il est très en forme ce début de saison et il a très bien fait les grands nationaux. Et donc là, je l'emmenais ici après 3 semaines de repos pour préparer le CSI pour Cambrai la semaine prochaine. Donc il s'est merveilleusement bien passé comme préparation. J'essaie de partir avec un bon rythme parce que je savais que le temps pouvait être un tout petit peu serré. Donc, il a très bien sauté le 1. Ok, bien redressé pour le 2. Très beau saut. Ok, là mon cheval a très bien sauté le 3. Je tournais devant pour essayer d'être dans le temps. Okay, c'est un tout petit peu défendu pour le 4. Il est encore un peu frais ce week-end là. Là pareil pour les 6 foulées, il s'est un petit peu défendu parce qu'il a tellement envie d'y aller qu'il ne veut pas trop que je le reprenne. Okay, là Spa, il me semble que j'étais un petit peu proche. Voilà, gros et fort, mais du coup ça m'a aidé pour les 6 foulées pour le double. Très bien sauté. Ok, l'Auxerre là, il est un tout petit peu plat. J'aurais mérité d'avoir un petit peu plus de propulsion, je pense. Ensuite le triple. Ok, bien rentré, il y a un gros Auxerre en entrée. 2 foulées verticales, 1 foulée Auxerre. Il a bien sauté, 6 foulées dans le mouvement. Ce vertical qui était très fautif, donc mon cheval a bien fait attention. Et ensuite, il y avait une dernière ligne pas évidente avec ce vertical qui a fait beaucoup de dégâts, là, blanc et rouge. Bien sauté. Ok, il s'est bien étiré sur cet Auxerre là. Pareil, il manque un tout petit peu de propulsion, je pense. J'essaie de soigner la palanque. Et voilà. Il a vraiment très bien sauté, je suis très contente de lui. Alors les objectifs avec Vol de Nuit, c'est d'être de plus en plus régulière dans les 2 étoiles, ce qui commence à bien faire. Il a déjà fait quelques champions dans les Grands Prix 2 étoiles. Continuer un peu grand national, donc commencer à mettre 50. J'ai fait quelques demandes pour les CSI 3 étoiles, j'aimerais bien pouvoir en profiter parce que là il a vraiment la pleine forme. Et puis ben voilà, c'est le chemin de notre progression à tous les deux. On va commencer ce niveau d'épreuve cette année, j'espère.